Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. J'ai décidé de vous faire un book haul sur 3 mois cette fois-ci parce que même si le mois de mars a été assez riche en cadeaux en fait, parce que c'était le mois de mon anniversaire, les mois d'après ont été relativement raisonnables et j'avais pas grand chose à vous présenter pour le mois de mai, et le mois de juin commence de la même façon, donc je me suis dit on va faire mars, avril, mai et on fera probablement juin, juillet, août. Encore une fois, c'est un book haul très varié. Encore une fois, il y a des réceptions, il y a des cadeaux, il y a des achats neufs, des achats d'occasion, des trouvailles en boîte à livres. Bref, commençons. Je commence tout de suite par les réceptions parce que j'en ai juste eu deux, donc je vous les montre tout de suite. Alors le premier, c'est ce magnifique album jeunesse Maman qui a été écrit par Hélène Delforge, illustré par Quentin Gréban, et c'est paru aux éditions Mijade. Donc ce sont les éditions Mijade qui m'ont envoyé ce livre. C'était parfait en fait, ça tombait bien, ça a dû arriver à la fin du mois d'avril, donc parfait pour la fête des mères. Et comment vous dire que cet album est juste sublime. Les illustrations de Quentin Gréban de toute façon sont toujours vraiment magnifiques. Il est gigantesque par contre, il a vraiment un format... Regardez à côté de ma tête. Ça c'est grand. Il est gigantesque, il est sublime. Donc c'est un recueil en fait de textes qui parcourt en fait vraiment toutes les situations du fait d'être mère. Je vous retrouverai probablement dans une de ces... Oh putain, j'arrête pas de bafouiller. Il s'agit en fait d'un recueil de textes donc par Hélène Delforge et qui retrace vraiment plein de situations différentes dans la vie d'une maman, plein de mamans différentes, dans des cultures différentes ou dans des stades différents de leur vie. Et donc d'office, toutes les mamans pourront se retrouver dans au moins une des descriptions qui sont présentes dans ce texte, parce que franchement c'est hyper varié et les dessins qui s'y rapportent sont vraiment très très beaux. C'est vraiment d'une très très belle poésie. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile que laisser ça dans le cadre. Oui, voilà, c'est sublime. Enfin, moi, de toute façon, en règle générale, Quentin Gréban, j'apprécie beaucoup son boulot. Et donc, évidemment, je remercie Mijade de m'avoir envoyé cet album. Dans le même colis avec l'album Maman, il y avait Les Folles Journées de Papa. Alors je l'ai pas ici parce qu'il est dans la chambre de Sacha qu'elle fait sa sieste, mais c'est un album que Sacha adore en ce moment, on lui raconte presque tous les soirs, elle est vraiment accro à cette histoire et ça raconte juste en fait une journée normale d'un papa normal, imparfait mais parfait pour nous quoi. Je passe ensuite aux trouvailles de boîte à livres et le premier que j'ai trouvé c'est un Charles Dickens, La Petite Dorrit, le tome 1, paru chez Archipoche. C'est bon, tu es installée ? Ce chien. Du Charles Dickens, je n'ai que les contes de Noël dans ma pile à lire là derrière, et du coup je me suis dit que bah, ce serait bien d'avoir un Dickens pour une autre période que Noël. Et donc c'est le premier tome en fait, apparemment il y a deux tomes, je ne savais pas trop, on verra bien si j'arrive à trouver le tome 2 dans la même édition. Donc trouvaille de boîte à livres de toute façon, en très très bon état, franchement on voit que c'est de l'occasion mais... Il a rien quoi. Je sais que c'est une histoire qui se passe au 19e siècle, je sais que ça va parler de secrets, de mystères, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais bon, Charles Dickens en règle générale, pour moi, étant donné qu'il a inspiré J.K. Rowling et qu'il a inspiré Roald Dahl, je pense que ça va me plaire. J'ai ensuite trouvé deux Émile Zola dans les anciennes éditions du livre de poche que j'adore parce qu'elles sont vraiment avec la tranche colorée. Yuki, merci bien. C'est gentil. Je disais donc, j'ai trouvé deux Émile Zola dans l'ancienne édition du livre de poche avec les tranches colorées. Donc le premier c'est Thérèse Raquin et le deuxième c'est Germinal. Alors Germinal, je l'ai déjà lu quand j'étais en réto, donc en Belgique, c'est la dernière année avant de pouvoir passer à l'université. Et je me souviens que j'avais bien aimé, même si c'était très très long, je m'en souviens d'avoir eu vraiment un sentiment de oh, j'en peux plus, j'arriverai jamais au bout. Mais j'avais bien aimé au final et j'arrive pas à retrouver mon exemplaire, donc j'étais contente de trouver celui-ci. Et Thérèse Raquin, ben, je n'ai pas. C'est un Zola que je n'ai pas, donc j'ai pris. Je vous présente ensuite un livre que j'ai récupéré de chez mes parents, mais qui est un livre qui m'appartenait. Et n'ayez pas peur en voyant l'état de ce livre. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, je ne sais pas si ça paraîtra vraiment clair à la caméra. Mais il est dans un état
genre pitoyable. Genre, il a morflé, quoi. Il s'agit donc de 7 jours pour une éternité de Marc Lévy, paru aux éditions Pocket. Je me souviens très bien de pourquoi il est dans cet état. C'est un livre que j'avais emmené avec moi en vacances quand j'avais 18 ans. C'était les vacances juste après avoir fini ma réto, justement, j'allais rentrer à l'université. Donc c'est vraiment la période, vous savez, charnière d'une existence d'étudiant, hein, quand même. Et je me souviens très bien de ce livre, je l'avais adoré. C'était évidemment une période où je lisais beaucoup de livres très commerciaux, genre les trucs bien pimpants qui venaient de sortir, je me ruais dessus. Et donc, c'est un Marc Lévy qui, moi, personnellement, m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu, et je suis contente d'avoir retrouvé mon exemplaire, même s'il est poisseux. Dans cette histoire, Dieu et Lucifer se lancent un défi. Ils veulent savoir qui de deux finira par remporter la bataille, finalement, le bien ou le mal. Et pour ça, ils envoient deux agents sur Terre, un ange et un démon, afin de vraiment faire triompher leur camp. Sauf que, évidemment, l'ange et le démon vont se rencontrer, et si vous êtes un petit peu familier avec Marc Lévy, vous vous doutez probablement de ce qui va s'en suivre. Bref, très chouette histoire, je suis super contente d'avoir récupéré mon livre. Je prends ce qui me vient ensuite sous la main, parce que je vous avoue que ma pile est là, que ça bascule dangereusement, et que, en fait, je pense que le reste, ce sont soit des achats que j'ai faits, soit des cadeaux, donc en soi, voilà quoi. Si vous avez vu mon vlog précédent, vous avez probablement vu que ça faisait un moment que je ne lisais pas de fiction. J'ai recommencé là récemment, mais très franchement, je suis restée, on va dire, presque 2 mois sans lire de fiction. Presque 2 mois, ouais, un mois et demi. Tout simplement parce que j'ai lu 2 excellentes lectures qui m'ont, bah voilà, comme d'habitude, quand je lis 2 très bons livres fictionnels, en règle générale, bah, je lis des magazines, je lis des beaux livres, des BD, des mangas, enfin, ce genre de trucs, mais pas vraiment de la fiction pure, parce que j'arrive pas à trouver un truc, en règle générale, qui atteint un petit peu le palier de ce que je viens de lire, quoi. Mais j'ai quand même continué à lire, hein, je ne suis pas restée sans lire, et donc je me suis acheté un livre. Je vous en ai parlé donc dans ce vlog, il s'agit de La vie après la mort de Deepak Chopra, paru ici chez J'ai lu. Clairement, on est sur du développement spirituel, clairement ça ne va pas plaire et parler à tout le monde. Il faut savoir que moi je suis hyper open mind, c'est-à-dire que moi je suis pas sceptique, je suis pas croyante, mais je suis ouverte d'esprit. C'est-à-dire que j'aime bien savoir ce qui est cru par d'autres personnes dans d'autres cultures, et j'ai aucun mal avec cette ouverture d'esprit qui est d'apprendre d'autres personnes, quoi. Deepak Chopra, c'est un peu un personnage très influent dans le développement spirituel, et notamment La vie après la mort est un de ses livres un peu fétiches, et je l'ai lu presque, il me reste juste ça à terminer, parce que je le lis pas tout le temps, vraiment plic-ploc. C'est vrai que c'est un livre où il faut avoir l'esprit ouvert, si vous êtes hyper rationnel, ancré, les pieds sur terre, et que vous n'êtes pas du tout ouvert à la possibilité d'autres choses, ne lisez pas ça, on est clairement d'accord là-dessus. Par contre, moi, je trouve que c'est une lecture, enfin ça m'a apporté beaucoup de choses, et j'ai vraiment beaucoup adoré cette lecture. Je vous en parlerai probablement, je ne sais pas si je vous en parlerai, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une lecture que j'avais envie de faire sur le moment, et donc je me la suis achetée. Et dans la veine, je m'intéresse à des choses qui jusque-là étaient dans un coin de ma tête, mais qui restaient planquées, alors que finalement je sais que ça fait toujours fait partie de moi. Je me suis intéressée au tarot récemment, et donc ben, je me suis acheté la Bible du tarot, c'est-à-dire La Voix du tarot d'Alexandre Jodorowsky, paru chez J'ai lu. C'est un peu l'ouvrage quand on veut s'intéresser au tarot de Marseille, donc c'est un ouvrage que je suis en train d'étudier, parce que c'est vraiment un apprentissage là pour le coup, donc j'en suis ici. Donc concrètement, c'est un ouvrage où je fluote, je mets des post-it, c'est vraiment un livre d'apprentissage, c'est un peu comme un syllabus universitaire pour moi. C'est le livre par excellence quand on s'intéresse en fait au tarot de Marseille au niveau intuitif, non prédictif. C'est-à-dire que le tarot de Marseille, tout le monde a cette vision du tarot de Marseille comme étant un jeu de cartes qui prédit l'avenir. Or, c'est un outil qui est hyper intéressant pour le développement personnel, pour le développement spirituel, pour... En fait, le tarot de Marseille, c'est un peu un miroir de soi-même. C'est comme si on se regardait de l'intérieur à travers les archétypes du tarot de Marseille. C'est un livre hyper intéressant, super bien construit, très abordable pour les débutants,
qui aborde à la fois la structure du tarot de Marseille, globale, comme les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, enfin je suis pas là pour vous parler du tarot en... vraiment en profondeur, mais vraiment j'adore ce livre, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et j'en achèterai probablement d'autres par après, parce que le tarot, il n'y a personne qui connaît la vérité ultime sur le tarot, même pas Jodorowsky. Par contre, vraiment s'abreuver de plusieurs personnes et voir un petit peu ce qu'ils en ont fait, ça peut être super intéressant, et c'est ce que je compte faire. S'il y avait un achat un peu indispensable à faire au mois de mars, c'était celui-ci. La disparition de Stéphanie Meller, paru chez De Fallois et écrit par Joël Dicker. Le dernier Joël Dicker, on est d'accord, il fallait que je l'achète le jour de sa sortie, que je le fasse dédicacer, que je participe à une conférence. Je vous en dis pas beaucoup plus dans ce book haul parce que je vous l'ai déjà fait en update lecture, parce que évidemment je l'ai lu, hein, on est d'accord avec ça. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé d'avoir mon avis, le lien sera en barre d'infos. Là, on est vraiment dans les livres anniversaires, donc c'est-à-dire les achats, les réceptions, les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Le premier livre que je me suis acheté, c'est Le Prédicateur de Camilla Läckberg, paru aux éditions Babel Noir. Et comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours. C'est avec lui que j'ai recommencé à lire de la fiction, après mes deux énormes coups de cœur dont je vous parlerai probablement sur la chaîne. Et du coup, ben voilà, j'ai acheté Le Prédicateur parce que c'est le second tome de la grande série avec Erika Falk et Patrick Hedström. Et j'avais lu le premier, La Princesse des Glaces, il n'y a pas très longtemps, donc j'avais envie de lire celui-ci. Ici, l'enquête porte sur une femme qui a été retrouvée à Fialbaca, morte évidemment, et sous elle, deux squelettes de deux jeunes filles disparues 24 ans plus tôt. Ça soulève des questions. Encore une fois, c'est un univers que moi j'adore les personnages en fait, et du coup c'est vrai que c'est le genre de série policière que j'aime suivre, alors que moi je suis pas très polar à la base, mais franchement cette série là, je vous la conseille. Ensuite, achat d'anniversaire fait avec un bon cadeau, j'ai enfin craqué pour La Servante Écarlate de Margaret Atwood, et c'est paru chez Robert Laffont Poche. Alors, vous savez, il y avait cet énorme bandeau là, le livre qui fait trembler l'Amérique de Trump. Non mais je sais que j'arrive trois guerres après tout le monde, mais c'est souvent comme ça moi avec les livres, en règle générale j'attends que ça passe un petit peu. Et j'ai très envie en fait de découvrir cette œuvre qui fait vraiment beaucoup parler d'elle, notamment aussi avec la série en lien avec ce livre. C'est un livre qui a été écrit il y a pas mal d'années en fait, il y a plus de 30 ans apparemment, donc c'est quand même pas du tout un écrit récent, mais c'est vrai qu'il est vraiment fulgurant d'actualité apparemment, et c'est une dystopie évidemment. Je ne lis jamais de dystopie, donc ma foi, écoutez, ça sera une première. La fécondité a baissé de manière drastique et la société a décidé de prendre en réclusion les femmes qui sont encore fertiles, de leur faire porter du rouge, d'où le nom Servante Écarlate, et de les mettre au service de couples pour pouvoir enfanter. Et donc on leur a enlevé évidemment tous leurs droits, elles ne peuvent plus lire, elles ne peuvent plus apprendre, elles ne peuvent plus rien. Évidemment, c'est super intéressant de par la thématique et voilà, je suis contente que le flow soit un peu passé pour que je puisse m'y plonger sans trop d'attente en fait. J'ai ensuite reçu plusieurs petits livres en cadeau de mon frère et de sa compagne, donc c'était super gentil. J'ai notamment reçu Nancy Mitford Island Fling, paru chez 10-18. Ça c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist parce que c'est le contexte qui me plaisait beaucoup et j'avais vraiment hâte de voir un petit peu comment ça avait été décrit. Et donc ça se passe dans l'entre-deux-guerres, en Écosse, voilà, il y a une espèce de garden party avec des aristocrates, etc. Enfin vous voyez, ça m'a un petit peu fait penser à Downton Abbey avec cette espèce de, vous voyez, de château là en fond d'image, et voilà, ça me plaît bien quoi. Quand j'aurai vraiment vous savez, une nostalgie profonde de Downton Abbey, je me lirai ce livre. Autre petit cadeau, j'ai reçu de Roald Dahl, La potion magique de Georges Bouillon, et c'est paru chez Folio Junior. Encore un Roald Dahl dans ma pile à lire, je suis super contente parce que, comme vous le savez, j'en lis vraiment un par an en règle générale. Est-ce que j'en ai lu un cette année? Oui, je pense que j'ai en lu un cette année. J'ai lu Mathilda. J'adore découvrir Roald Dahl petit à petit, vraiment quand j'ai envie d'une lecture qui me replonge en enfance. Roald Dahl, c'est une valeur sûre et je suis ravie évidemment d'avoir celui-ci dans ma palle. Je ne sais pas ce qu'il raconte, je suppose que ça parle de potions magiques. J'ai ensuite reçu La liste de mes envies de Grégoire Delacour, paru au Livre de Poche. Voici le responsable de ma panne de lecture fictionnelle. Voilà. Un des responsables en tout cas. C'est l'histoire d'une femme, comme vous et moi, elle tient un blog, elle tient une petite boutique de mercerie,
Elle a une famille, elle a tout en soi. Et puis, en fait, elle gagne au gros lot. Elle gagne le gros lot alors que, en fait, c'était la première fois qu'elle jouait et elle gagne. Et là, bah, s'ensuit le... Est-ce que ça va faire pire que mieux ou est-ce que ça va vraiment améliorer la situation? J'ai adoré ce livre, il a vraiment, vraiment résonné en moi. Je l'ai lu à un bon moment. C'est vraiment un de mes livres préférés. Voilà. Je vous conseille de le lire, évidemment, si vous ne l'avez pas encore lu. Encore un cadeau, je vous dis, j'ai été pourrie, pourrie gâtée en livres cette année. J'ai reçu Aux petits mots les grands remèdes de Michael Ouras et c'est paru chez Le Livre de Poche. Aux petits mots les grands remèdes, vous savez que c'est un livre qui traite de la bibliothérapie, qui est un sujet que moi j'adore. J'ai plein de livres qui traitent de la bibliothérapie. J'ai notamment le grand dictionnaire des remèdes littéraires, j'ai ces livres qui nous font du bien. Enfin voilà, je suis persuadée en fait du pouvoir guérisseur des livres et du coup, ben ça c'est un livre qui vient se rajouter à cette petite pile. En gros, on va suivre Alex qui est passionné de livres et qui a décidé d'être bibliothérapeute. Donc, je suppose qu'on va rentrer un petit peu dans son cabinet de consultation. Et moi, je trouve ça quand même vachement cool. Je pense que ça peut être le livre parfait pour cet été. À méditer. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de la part de Lilian, de la chaîne The Book of Lilian. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super gentil. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de recevoir son petit cadeau. Et en fait, il m'a envoyé Oniria. Le livre 1, Le Royaume des rêves, et c'est écrit par BF Paris et paru au Livre de Poche. On suit apparemment l'histoire de Elliot, qui est un jeune garçon de 12 ans et qui est envoyé à Oniria pour la sauver d'une menace qui la trouble un petit peu. Et voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga qui apparemment lui a vraiment beaucoup plu et je la connaissais pas. Vraiment pas. Et je vois qu'il y a des... Oh, il y a des chouettes images. C'est cool. Voilà. Merci Lilian. Puisque j'avais adoré la liste de mes envies de Grégoire Delacour, je me suis dit qu'il me fallait un autre Delacour tout de suite dans ma pile à lire. C'était décidé. Et j'ai jeté mon dévolu sur L'écrivain de la famille et paru au Livre de Poche, donc toujours par Grégoire Delacour. L'histoire d'un petit garçon qui, à 7 ans, écrit un petit poème et qui se voit en fait confier le rôle d'écrivain de la famille. Un peu des espoirs qu'on porte pour lui, je pense, et c'est une histoire familiale apparemment qui est très drôle, bouleversante également, et donc... Voilà, j'ai beaucoup aimé Grégoire Delacour dans la liste de mes envies. Je verrai bien ce qu'il en est dans celui-ci. Je me suis enfin décidée à me procurer Le Miracle Morning de Hal Elrod, paru chez Pocket. Si vous vous souvenez bien, au début de ma chaîne, je vous avais montré en objet de lecture le livre Tout se joue avant le petit-déj, que j'avais beaucoup aimé également, qui était très organisationnel. Vous avez un but, vous avez 3 mois pour le réaliser, faites comme ça, faites comme ci, faites comme ça, etc. Donc c'était super, enfin c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et là, c'est un livre beaucoup plus, toujours aussi organisationnel, mais vraiment beaucoup plus dans le bien-être et dans le développement personnel, vraiment. Et ça m'a fait tellement de bien de lire ce livre, parce que oui, je l'ai lu, hein, vous voyez quand il y a des post-it en règle générale, c'est que je l'ai lu. J'ai adoré, j'adore ce livre. C'est un livre, vous savez, doudou, où de temps en temps, vous allez le repiocher et le lire. Et franchement, j'aime beaucoup. En plus, un livre de poche, il coûte rien du tout, quoi. Donc voilà. Et oui, je me lève toujours plus tôt, malgré le fait que... Enfin, je me suis toujours levée plus tôt, hein, mais je me lève toujours à 5h15, 5h30 du matin, pour avoir ma petite Miracle Morning à moi. Ensuite, je me suis fait plaisir, toujours pour mon anniversaire, toujours avec des bons. J'ai encore 3 livres, je pense, à vous présenter, 4 livres à vous présenter avec des bons. Le premier, c'est Lire. Donc ça, c'est un livre qui est écrit par Bernard Pivot et Cécile Pivot, sa fille, et c'est paru chez Flammarion. C'est juste un beau livre sur la lecture. Et ça, moi, bah je craque. Comment vous dire, c'est, il me faut pas grand-chose, mais c'est un beau livre, un magnifique livre avec des images, des textes. Et en fait, c'est comment Bernard Pivot, qui est un lecteur professionnel, hein, qui a été un chroniqueur littéraire à la télé pendant des années, avant François Bunel et son émission La Grande Librairie, et Cécile Pivot, qui est sa fille, qui est passionnée de lecture, qui a vécu avec un homme qui était lecteur professionnel et journaliste littéraire. Et c'est un peu comment ils perçoivent l'achat de livres, la lecture, l'objet livre, enfin vraiment tout. C'est un espèce d'essai en fait sur la lecture. Je l'ai évidemment déjà lu, à peine acheté, je l'avais déjà lu. Mais j'adore le refeuilleter, il est super agréable. Franchement, j'adore. Je l'avais vu passer à la Grande Librairie et je savais en voyant que ce livre était sorti que
ben, que j'allais l'avoir, quoi. C'est vraiment un petit cadeau, 25 € quoi, le livre. Mais bon, c'est un beau livre, hein, c'est les prix des beaux livres. Et puis, je suis tombée dessus par hasard parce que j'avais complètement oublié qu'elle sortait cette BD, mais... Irena, le tome 3, et il s'appelle Varsovie, et c'est paru chez Glénat. Vous savez, je vous avais fait une vidéo pour le Femini Books en vous parlant des deux premiers tomes de cette BD, qui dépeint la vie en fait d'Irena Sendlerowa, qui est une femme qui a sauvé des milliers d'enfants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, ben, c'est la suite, et je suis super contente de l'avoir. Je l'ai aussi déjà lue parce que j'ai pas pu attendre. C'est vraiment une BD que j'adore. J'adore les graphismes, ils sont hyper... Enfin, moi, c'est le genre de graphisme que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment superbe. Enfin, moi, j'ai adoré. Et bonne nouvelle pour les adeptes de Irena. Je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui l'ont lu et qui l'adorent. Eh bien, il y aura un tome 4. Yeah ! Le dernier livre que j'ai à vous présenter avec... Enfin, dans le cadre, en fait, des achats d'anniversaire... j'ai beaucoup hésité à l'acheter, en fait je l'ai vu passer sur la grande librairie, je me suis dit je vais me le prendre parce que ça me tente trop, et puis j'ai vu le prix, je me suis dit, oh, des bouquins qui coûtent vachement cher quoi. En même temps quand vous allez voir la bête, ça, c'est justifié hein, mais on réfléchit quand même à deux fois quand on doit acheter ce genre de livre, et puis j'ai eu un bon d'achat, donc voilà, la question ne s'est plus posée. Et je vous parle de 4-3-2-1 de Paul Auster, paru chez Actes Sud. Bon voilà, c'est un livre à 28 €, alors un roman à 28 €, vous voyez, là. Mais par contre, quand vous voyez la taille du truc, genre il fait 1000 pages, 1045 je crois. Je vais vérifier tout de suite. Non, 1016 pages, voilà. Le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais lu de Paul Auster, je ne sais pas si cet auteur va me plaire. J'en sais rien, en tout cas il avait la tchatche à la grande librairie, donc je me suis dit bon, il a l'air sympathique, je vais lui acheter son bouquin. En fait c'est une histoire qui décrit 4 parcours de vie du petit-fils d'un immigrant, qui vient de... enfin un immigrant juif, si mes souvenirs sont bons. Mais donc d'où le titre 4-3-2-1, c'est 4 parcours de vie différents, et moi j'adore ce genre de pitch. Et alors c'est d'office un livre qu'il faut, il faut vraiment avoir le temps à mon avis pour le lire, il faut être en congé, totalement reposé, avoir genre des journées entières devant soi pour lire, parce qu'à mon avis ça doit être difficile de suivre le fil. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis vraiment super curieuse de lire ce livre, mais encore une fois j'espère que ça va être faisable pour moi, que ça va pas être trop compliqué, mais il me fait un peu peur quand même. Du coup, en me rendant dans ma boutique d'occasion où je vais très souvent, eh bien, j'ai vu qu'il y avait ceci. Deux Paul Auster d'Actes Sud pour 1 € chacun. Donc j'ai pas trop hésité. Pour le premier, il s'agit de Le Livre des Illusions, donc de Paul Auster, paru chez Actes Sud. Et le deuxième, c'est Brooklyn Follies, donc de Paul Auster, paru chez Actes Sud. Je ne sais pas du tout de quoi parlent ces deux livres. J'ai juste vu que c'était Paul Auster et je me suis dit, ils sont un petit peu moins costauds que le 4-3-2-1. Peut-être que je commencerai par un de ceux-là avant de me lancer dans le 4-3-2-1 pour voir un petit peu comment je vais gérer le style de l'auteur. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Ensuite, je me suis trouvé un livre, vous allez vraiment vous foutre de moi. J'ai le premier tome dans ma pelle depuis des mois, voire des années peut-être maintenant. Peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus trop. Mais je ne l'ai jamais lu encore parce que j'attends vraiment le bon moment. C'est un livre, je sais qu'il va me plaire, mais j'ai besoin d'être sûre du bon moment quoi, c'est comme ça. Et ben là j'ai vu qu'il y avait un tome beaucoup plus tard qui était à vendre à 1 €, donc j'ai pas hésité. Et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un faible énorme pour les briques. Moi dès qu'un livre fait je sais pas moi 1000 pages comme le Paul Auster là, mais c'est ma faiblesse quoi, je trouve ça tellement magnifique, une bricasse tellement riche en fait, que j'ai un problème avec les briques. Et celle-ci c'est vraiment une belle brique quoi, tu vois, c'est un dictionnaire. C'est le 5e tome de Outlander, écrit par Diana Gabaldon, donc c'est la croix de feu je pense, voilà. Et c'est paru chez J'ai lu. Clairement, c'est un livre qui va m'attendre encore très longtemps hein, dans ma bibliothèque. Combien de pages il fait celui-là? Ouh, plus de 1500 pages. Voilà, voilà, c'est un dictionnaire. Mais j'ai pas pu quoi, 1 €, je me dis, bon j'ai le premier tome, ok, je l'ai pas encore lu, mais d'office, à ce prix-là, je pouvais pas le laisser passer quoi. Donc je l'ai pris. Ça diminue, les gars, ça diminue. Je filme depuis 42 minutes. Ok.
Autre achat d'occasion, là j'ai acheté un livre que j'ai déjà lu. Il s'agit de Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol, paru chez Albin Michel. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'à l'époque je les avais lus dans des livres qu'on m'avait prêtés, je pense. Et du coup je les avais pas avec moi alors que c'est une saga qui a vraiment marqué ma vie de lectrice. Et j'avais envie de les posséder. Donc vous voyez là, tchou-tchou-tchou. Oups. Là ce sont mes Catherine Pancol, donc avec la saga des Cortés, hein, Joséphine Cortés, Hortense Cortés, avec la sœur Zoé, etc. Et donc ça commence avec Les yeux jaunes des crocodiles, ça c'est le premier. Ensuite il y a La valse lente des tortues, c'est le seul qui me manque. Et puis Les écureuils de Central Park, Les muchachas et Trois baisers que je n'ai pas lu, que je me garde bien au chaud pour une période où j'en aurais besoin. Mais donc ça c'est vraiment un achat de collection, il me le fallait dans ma collection. Je me suis ensuite acheté le petit traité Rustica du potager en carré, écrit par Robert Helge et Hubert Fontaine, et c'est paru chez Rustica Édition. Alors je m'étais acheté ce livre dans l'optique de faire mes potagers en carré cette année, sauf que de 1, je m'y suis pris un peu tard, vous voyez, j'avais vraiment mis des post-it, j'avais commencé à faire des listes, des légumes que je voulais planter et tout, enfin j'avais vraiment bien bossé là-dessus, sauf que je m'y suis pris un peu tard. J'avais très envie de faire des semis et je m'y suis pris beaucoup trop tard. Et surtout que finalement on a des plans pour notre terrasse. Et donc ça va tout chambouler. J'ai pas envie de devoir tout recommencer. Donc ça sera pour l'année prochaine. Mais il est super méga bien fait. En fait il est très, très synthétique. Mais à la fois vous avez des DIY pour faire vos carrés potagers. Vous-même, vous avez un carré potager que vous suivez toute l'année, donc pour vraiment avoir des plantations sur toute l'année. Et moi j'ai un petit jardin, j'ai pas un grand jardin, donc le potager en carré c'est parfait pour ça. Je suis totale débutante, totale novice, donc c'est parfait aussi. Et donc pour moi c'est le système qui me parlait le plus en ce moment, mais d'office je me lancerai la semaine prochaine, l'année prochaine, dans ce petit projet parce que j'ai vraiment très envie d'avoir mon petit potager à moi. Ensuite était venu le temps de l'achat Belgique Loisirs et donc je me suis pris le tome 1 de Culotté par Pénélope Bagieux, Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, paru chez Gallimard. Bon, ça aussi hein, c'est une BD qui a fait le tour de Booktube, je ne l'ai pas encore lu. J'avais l'intention à un moment donné de le lire et puis en fait j'ai fait autre chose et je ne l'ai pas lu. Et en fait ce sont des destins de femmes qui ont changé le monde. Et voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup, je ne l'ai pas... Je l'ai pas encore commencé, mais ça ne va pas tarder parce que c'est ce genre de petite lecture, vous lisez vraiment un portrait de temps en temps et ça fait du bien au moral et voilà. Donc, petit achat Belgique Loisir. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une amie à moi, ex-collègue mais amie, je peux le dire, qui m'a en fait donné un roman d'une amie à elle qui a écrit. C'est son deuxième roman et en fait c'est Pauline Sauvé qui a écrit Et Cendrillon dans tout ça. C'est de l'auto-édition. Alors la couverture est vraiment super sympa, voilà, je pense que c'est une histoire de famille, j'ai pas vraiment, enfin en tout cas l'arrière n'en dit pas grand chose, on parle juste d'un petit monde, donc ouais ça a l'air d'être une histoire familiale, je pense que ça peut être super sympa pour cet été aussi, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, il m'a l'air vraiment cool, c'est pas le genre de lecture que je fais d'habitude, enfin c'est-à-dire que moi tout ce qui est romance, je sais pas s'il y a de la romance mais... Ça a l'air léger comme histoire, vous voyez, un petit peu, voilà, je sais pas, hein, c'est l'a priori que j'en ai, mais je le lirai clairement et je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, on termine par un gain concours. Oui, j'ai gagné un concours sur Instagram. Le concours fait par Le Livre de Poche et j'ai gagné ce magnifique coffret. Oui, 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 c'est du Stephen King, oui, je sais, je suis une grande flippette, je ne lis pas de Stephen King, mais si, si, je lirai un jour. En plus, c'est Dôme et Dôme, c'est vraiment une série de livres, donc c'est le tome 1 et le tome 2, c'est un coffret. Vraiment un beau coffret, voilà, comme ça vous le voyez, avec les deux tomes dans le coffret. Et mais c'est une des séries de King qui me tente le plus, celle qui a inspiré la série Under the Dome. Et donc je suis très contente d'avoir gagné ça en concours, parce que du coup j'ai encore du King dans ma palle, j'ai plein de King dans ma palle, mais c'est pas grave. Voilà qui clôture ce book haul, je vous ai tout montré, c'était quand même costaud, ça fait 50 minutes que je filme, mais bon c'est pas grave. Vous voyez, il y a vraiment de tout, je recommence à prendre goût à lire de la fiction et donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir toutes ces nouveautés dans ma pile à lire. Je vais m'empresser de ranger tout ça dans ma bibliothèque maintenant. Je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. À
la prochaine. Salut.